Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, Calta version 2 en deck Pas exactement le même deck que je joue sur euh, MTG Arena, mais il y, y ressemble beaucoup. Euh, je vais aller le tester en boutique euh, probablement en fin de semaine. Je vais voir. Celui-là sur MTG Arena va très bien. Je vais peut-être y apporter les, les mêmes modifications. Euh, sinon, ça va être euh, à la prochaine méta. Fait qu'on va commencer euh, dans le one drop, éventu... évidemment, 4 Lanoir Elf. Euh, dans le deux drop, j'ai 4 Torn Lieutenant. Oups, 4 Torn Lieutenant. Après ça, je joue 3 Art of Kiran. Qui peuvent être. Euh que je peux trouver avec euh, Jade Light Ranger, avec le, le Trashing Brontodon, euh, contre le Flying, flying Vigilance 4-4, c'est pas négligé. Euh, je joue un Rona, je joue euh, 4 Jade Light Ranger, euh, évidemment ce que tu espères, c'est qu'au premier tour, tu as... Une forêt, un le Noir Elf avec une autre forêt dans les mains pour jouer un 3 -1 de tes multiples 3 drops au deuxième tour. Je joue 3 Trashing Brontodon. Évidemment, 4 Steel Leaf Champion. Après ça, on va dans le 4 drop. 4 Vine Mare. Euh, 2 Gork là. Bon, je vais l'essayer. Euh... 2 de, de, de moins aux, aux couloir, voyons, deux, deux colorless de moins, pardon, aux créatures qui ont 4 de power. Fait mon Vine Mir coûte juste 2. 3 euh, Gigantosaurus, pour l'instant. Euh, CMTG Arena, j'en joue 4, là j'en joue 3. 3 Galta. Et, pour l'instant, jusqu'à cet automne, encore 4 Blossoming Defense. Euh, pour protéger mes créatures. Puis, si jamais il me manque un plus deux pour achever. Sinon, les lands, c'est juste des forêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 forêts. Dans le sideboard, euh, il n'est pas tout à fait à jour. Euh, Je n'ai pas terminé. Je voulais peut-être inclure Broken Bound éventuellement. Euh, Quoique j'ai le trashing Brontodon. Pierce the Sky. Euh, pour le Flying. J'ai le quatrième gigantosaur ici. Pour l'instant, ça ressemble à Rabbit Bite. Euh, sur un TG1 Renault, j'en joue quatre dans le deck. Puis je trouve ça bien pratique. Peut-être faire un switch. Euh, Life, Crafter Be Life, Life Crash, Crafters Bestiary pour des cartes. Shaper's Sanctuary. J'ai encore deux Nissa. Le Corch Scavenger deux fois, Scavenger Ground, j'ai un Héroïque Intervention, un Monument à Rona. Euh, si je joue contre un deck miroir, ça me peut aller me chercher un bonus. Euh, contre les Board wipe, contre les graveyard, je vais sûrement changer pour deux Vivian Reed. Euh, contre les Control Deck, ça me permet de piger des cartes. Euh, vont peut-être atterrir dans le deck de façon permanente, puis mettre peut-être les Blossoming Defense euh, dans le sideboard. Fait que euh, tout le monde connaît le deck pas mal, c'est ça. On essaye le plus vite possible de sortir soit un Gigantosaur ou Galta. Galta, c'est autour du quatrième tour. Euh, si j'ai un tour pas mal parfait, donc au premier tour, au deuxième tour. Comme ça. Au troisième, on rajoute une land. on rajoute un Vine Mare. Ou un Rona. Soit Rona, soit Vine Mare. Euh, Puis c'est ça. Après ça, euh, c'est Galta l'autre tour d'après. Fait que as une 12-12. Mettons qu'on est vraiment mardeur, On a ça, on, est au on commence le quatrième tour, on met notre land. Au quatrième tour. 10. 11. Donc, deux mana pour Galta. Oups. Puis il me reste encore trois land, Fait que je pourrais sortir, mettons, un Gorkla en plus. Fait qu'au quatrième tour, c'est ce que j'ai sa main. Si j'optimise mon mana, meilleur. Fait que, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Quatrième tour. Et voilà. Euh, ça m'est déjà arrivé sur un déjà Je pense que je l'ai dans un des vidéos qui fait... Euh, toc, toc. Voyons. Euh, ouais, euh, la Noir-Elf, Style-Leaf au deuxième, vine au troisième, Galto au, au quatrième. La personne a abandonné le match. Fait que c'est mon petit Galto 2.0. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, des swaps ou des cartes qui pensaient qui pourraient euh, être bonnes. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.